Bon, on va se remettre à Fika. Bon, par contre, ça serait bien qu'il ait pas des caractéristiques à la con, quoi. Voilà. Ouais, donc en fait, en plus, j'ai bien fait parce que sinon, j'aurais même pas eu l'achievement. Donc, allez. Oh, pourquoi? Ouais, non, mais j'ai vu, c'est pas le souci. Par contre, on a encore moins de militaires que tout à l'heure. Ah ouais, c'est cool ça. Bon. Mais on pourra avoir déjà plus de territoire dès le début. Donc ça me va aussi tout à fait bien. Bon, on va embaucher un médecin de la cour. Oh, putain, pas de militaire, mais on va faire quoi? Ça va être fameux, ça. Lui, il a quoi? Il a 400 troupes, j'ai 600 troupes. Oh, bah, on va pas être fameux, hein. Augmenter le développement de Fika, oui, quand même. Faut peut-être faire ça, ça serait pas mal. On a dit qu'il nous fallait 1000 et quelques de prestige. Bon, moi, on va pouvoir corriger les erreurs pour diverger la culture. Si on veut partir là-dessus et là-dessus, il nous faudra 1000. Ok. J'ai des chevaliers cette fois. 5 sur 5. C'est déjà ça, mais ça va pas être fameux non plus. Il va falloir qu'on aille piller. Mais même nos voisins ont plus d'armées que nous, donc ça va être compliqué. On va déjà aller faire le banquet. Je viens de perdre mon prestige là, non? Ou c'est elle qui a perdu le prestige, je sais plus. Ah bah voilà, parce que j'ai besoin de gagner du prestige, j'en perds. Cherchez l'erreur. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai qui... Je suis compatissant et vindicatif. C'est quoi ces traits de merde? Pourquoi j'ai toujours des traits à la con? Bon, déjà. Non, mais on est d'accord que j'avais 10% de chance de mourir, je suis mort. Non, mais ah non, mais sérieusement? Non, mais je veux bien un moment, mais le jeu, est-ce que tu peux arrêter? Ah merde, je suis pas en Iron Man. Mais pourquoi il se met pas automatiquement en Iron Man? Il est chiant. Pourquoi il arrête de... Il fait sauter l'Iron Man à chaque fois. Est-ce que je pourrais avoir l'Iron Man, s'il vous plaît? Arrêtez ça! Ah bah là... Ah oui, d'accord. Ah non, mais... Il y a un moment, c'est pas que je veux pas, hein. Mais quand le jeu me dit merde, c'est un peu désagréable, quoi.
Bonsoir à toi, cousin Hubert. Bon. Collecter des impôts, c'est bien sympa, mais là, j'ai pas d'argent, j'ai rien, ça va être compliqué. Bon, j'ai quand même 800 armées. À côté, ils ont 600. Ok, bon, on va déjà tout lever ici. On va aller piller notre premier voisin. Ouais, mais là, j'ai déjà mieux, j'ai déjà plus d'armées. Ok, on est à 700 et quelques. Si je pille suffisamment, je vais pouvoir. On va accélérer un petit peu. En pillant suffisamment, je vais pouvoir récupérer un peu de choses quand même. Parce que là, il y a quoi? Il y a 400 troupes. Lui, il a 1200. Et lui, il a 932. Ok. Ah, c'est bon. Donc on va pouvoir aller faire le banquet. Ah, il me manque deux, d'accord. Je sais pas pouvoir piller lui parce qu'avec ses 1000 et quelques troupes, il va me faire mal. On va s'éviter les ennuis de ce type-là. Je peux peut-être. Ah non, il a été pillé, pardon. Donc ça sert à rien que j'aille le vienne ici. On va s'éviter ça. Mais tu es sérieux, toi? Un artefact Mamiwata. Organiser le banquet. Parce que j'ai vraiment besoin de ce prestige. Ok. Donc on a ça qui nous donne la santé de l'érudition et expérience en mode d'érudition. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Il nous aurait fallu des choses plus intéressantes, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait lui chez moi là? Ok. On est à 857. 1007. Ok, 1007 c'est bon. Alors, culture. Le problème c'est que... Ah ouais, mais ça c'est à où ça? C'est pas ça où. D'accord. Ok, le changement de culture est fait. On a deux territoires. Ah ben non, on n'en a qu'un seul. Donc il faut déjà promouvoir la culture ici. Putain, moi. Sérieusement? Ça pique un peu, ça, non? Ok. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, avec toutes ses armées? Alors, on va pas chercher le registre, on va aller chercher la motte. Hein. Et lui, il fait quoi? Ah, d'accord, il y a un pillage. Donc, lui, il a 810. Piller, c'est peut-être pas la bonne idée. Par contre, lui, l'attaquer, ça serait la bonne idée. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il a de l'argent? Oui, il peut lever des armées aussi. On va l'attaquer, hein. Est-ce qu'il va lever des mercenaires? Ça, je sais pas. Bon, c'est bon, on a la victoire pour nous. Il
Il faudra mettre notre épouse. On va mettre notre épouse en intendance pour aller chercher les points. La femme est enceinte. Ça me rassure, ça me rassurait cette histoire. Ah, on peut peut-être recruter ceux qui sont dans nos geôles aussi pour faire des... Bon, attendez, d'abord, il y a une rançon à avoir. Hop, les prisonniers. Toi. Négocier la libération, recruter. Voilà. Bien. Ok, une bonne nouvelle au moins. Ouais, bonne nouvelle. Hop là. Est-ce que ça va suffire? Pas du tout. Ok, parfait. Donc là, on va déjà perdre des armées, etc. Ce qui est pour mon plus grand plaisir. Bah oui, être à peine 4 d'intendance, ça aide pas. Et puis en plus, l'inconstance, c'est pas mon plaisir du tout. Bon. Déjà, on va augmenter ce qui peut l'être. Ça va être, ouais, ça va être compliqué là. Faut que vraiment je puisse augmenter. Est-ce qu'on va chercher Avare? Avare serait ce qui me mettrait le plus d'argent de côté possible et me permettrait d'aller chercher. Mais le problème d'Avare, c'est qu'on a 6, 7, 8, 9. 9, ah non, c'est 9 partout. Donc de toute façon, on n'aura pas mieux. Hein. Ça va pas mieux m'aider. Enfant autoritaire. On va faire déjà les obligations en or et on va essayer de se débrouiller avec ça. Hein. Quelque part. Ce qui me fait chier, c'est que je perde l'armée du fait que je sois déjà avec trop de propriétés de domaine. Toi, t'es quoi? Toi, t'as 600 troupes. Est-ce qu'on essaierait pas de l'attaquer? On a 800 troupes. Pas tant d'argent que ça. Normalement, il faudrait attaquer Canem, mais Canem, avec ses 1400 troupes, on peut rien faire pour l'instant. Toi, t'as quoi? T'as 800 troupes, on peut pas t'attaquer non plus. Faut avoir un trait de génie qui nous... En plus, je suis paranoïaque, mais vraiment... C'était le moment, quoi. Par contre, si on pouvait avoir les événements pour gagner des points d'intendance plus rapidement, je suis pas contre. Les banquets, c'est 872. Au 1er janvier, 872. Ça va être un peu long. Et lui, il est puissant aussi. Il a... Pourtant, il a deux caractéristiques qui lui vont bien. Et là, il me faut 10 ans. Ouais, c'est pas fameux pour l'instant. Hein.
Parce que je peux même pas dire de construire un bâtiment. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on se garde de l'argent de côté. Parce que s'il faut des mercenaires à chaque fois, on va pas être si bien que ça, hein. Ou alors, il faut que je donne Katagoum, mais ça m'embête de donner Katagoum, quoi. Ou alors, j'essaye de devenir... Ouais, mais il faut que je devienne duc pour donner Katagoum. Donc là, pour l'instant, non. Il faut même que j'aille partir piller. Et non, il nous faut piller. Parce qu'il faut que je devienne duc, sinon je peux pas faire ce que je veux. Piller, 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 piller autour, c'est compliqué. Ah bah tiens, celui-ci c'est pillé déjà. Donc je vais pas pouvoir y piller. Par contre, toi t'as quoi? T'as 400 troupes. Ouais, mais je vais pas me mettre plus dans la merde. Ouais, je suis paranoïaque, donc je cherchais à savoir si c'est bien mon fils ou pas. Ce qui m'aide pas des masses. Et il me faut 124, on avait dit hein, là, tout à l'heure. 125. Donc il me faut déjà le double de ce que j'ai là. Et Sao. Non. Bon, je gagne déjà un bal par mois, mais 8 ans. En attendant, tu as une réduction pour les titres. Ouais, mais là, c'est trop loin. C'est pas ce qu'il me faut pour l'instant. Le problème, c'est que la réduction pour les titres, si tu veux, elle est. Je crois qu'elle est. Enfin, c'est dans cette truc-là, et moi, je suis dans ce domaine-là. Donc, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, là, je veux l'intendance du pays. Ça va être pas mal. On va essayer de. Dès qu'on pourra. Là, on n'est pas très loin. On va pouvoir augmenter déjà les gains en or. J'ai un. Ouais, j'ai bien un médecin. Le souci, c'est que ça me donne un petit malus. Levée du domaine et impôt du domaine moins 20%. Et ça fait mal. Mais là, on va pouvoir reprendre 10%. Donc on n'aura plus que moins 10. Mais bon. Là, pour l'instant, on n'a aucun gain sur ce territoire-là. On est trop bas. Point 92, point 18, point 07. Allez, on se met les deux à dos, enfin, les deux dans la poche. Kanem et Bornou se sont séparés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Normalement oui, parce que ça veut dire qu'ils vont se faire la guerre, mais c'est surtout que le royaume de Flika, enfin le royaume de Kanem ne sera pas... ne sera pas recréé. Enfin, ne sera pas créé tout de suite en tout cas. Est-ce qu'on peut pas lever toutes les armées? Et j'ai lui qui peut être pillé, mais lui il a quoi? On va le piller, hein. C'est de l'argent en plus. On prend. Non, Fika n'a pas de royaume. C'est le royaume de Kanem-Bornou pour Fika. Toi déjà, si je peux te péter ton armée. Et je me suis emparé de 15 balles. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir déjà. Alors, c'est fait piller Kanem. Purée, c'est con parce qu'on perd énormément d'argent.
Mais... Ouais, je perds 0,5. Mais là déjà, ça me va un peu mieux. On va pouvoir devenir duc. Et on va pouvoir attaquer Garoua parce qu'il a perdu ses armées pour le coup. Et ça va être une bonne nouvelle, ça. Allez, 122. Après, il va falloir y aller full pognon. Attaquer lui quand on pourra. Prendre Bornou, prendre Yao pour éviter tout problème. Et après, on va devoir monter. J'ai une revendication sur la chefferie de Mugno. D'accord. La rigueur, ça pourrait être pas mal. Mais ça coûtera du prestige. Donc, faudra voir. Aussi bien, on utilisera peut-être la piété. Je verrai. Allez, s'il vous plaît, 125. Donc, qu'est-ce qu'on donne Katagoum? Parce que le problème, c'est que ça. C'est là où ça. On va faire ça. On va donner Katagoum pour l'instant. Et ça va essayer de faire venir des gens dans le royaume. Tant pis, on va essayer de ne pas se mettre. Hop, assiste-moi dans tous les domaines. Ce qui m'ira très bien. Et on va pouvoir regagner des armées déjà. Remboursera plus tard. Je peux déjà rembourser le prêt, mais c'est non. Merci d'être passé, Asmuro. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Toi, déjà, c'est conquête, clairement. Ah, par contre, on est. Ouais. On va être un peu juste. Est-ce que je fais des palissades? Où est-ce que je pars là-dessus? Peut-être partir sur de l'argent. Et là, j'ai une maison longue qui me fait de la levée. Alors qu'il me faudrait un marché plutôt. Bon, là, hop, lui, il va se mettre en organiser l'armée. Comme ça, 965, c'est déjà plus acceptable que ce qu'il a là. Est-ce que j'ai bien tous mes... J'ai mes 7 champions, donc ça c'est parfait. Ma fille peut partir sur ça. Ok. On éduque. Et toi, on va partir en guerre contre toi. Hein. T'as pas d'alliés. Il faut qu'on grandisse. On n'a pas le choix. Bon, ça pille les territoires. Ils en ont profité, ils ont raison, hein. Je peux pas faire grand-chose pour l'instant, malheureusement. Ça, c'est très bien. Profit de guerre. On va les prendre aussi. Toi. Négocier la... et on va te recruter au passage. On va donner le territoire.
Voilà, comme ça on sera pas mal. Comme ça, on fait rentrer un peu les gens dans le territoire. Et lui, on pourrait l'attaquer derrière. Ce qui serait très bien aussi. Parce que lui, il n'a pas d'armée. Et il est allié par contre à lui, qui a 600 troupes. Mais si on va chercher ça directement... Est-ce que si j'attaque ça directement, il aura le temps de lever ses armées ou quoi que ce soit? Je crois pas, hein. Voilà, il n'a pas eu le temps de lever les armées de ses armées. Et là, il va rien pouvoir faire. Il va essayer, pas essayer de me foncer dessus. Et moi, j'ai le temps de piller, de prendre le territoire. Ok, là, je suis en train de construire. Là, on va caler un marché. Mais non, c'est 63 pièces. C'est dommage. Mais j'ai 6 mois. Bon, il s'est mis sur la capitale. De toute façon, j'aurai les 100%, quoi qu'il arrive. Et pour l'instant, on n'a qu'un seul fils. Donc, Ah non, 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 tu deviens pas mélancolique, hein. Tu me fais pas cette connerie-là, hein. Oh, purée. Bah forcément que j'ai un trait à la con. Ok, un voisin de moi. Ah, c'est bien des ficards, hein. Ouais, c'est bon. Là, ici, de toute façon, il me fallait des marchés. Donc, j'ai besoin d'argent. Prenons le prestige. Parce que le prestige, c'est pour les bâtiments. Et on en a sacrément besoin pour le moment. Ça, ça va faire du bien, par contre, de mettre des gars un peu plus efficaces au poste. Ça nous fait gagner un peu de temps sur quelques éléments. Ma femme est enceinte, ok. Ok, j'ai hérité de cette... elle, je m'en moque un petit peu, mais... J'ai pas de... J'ai personne, d'accord, dans ma cour. Qui correspondent aux éléments dont j'ai besoin. Eh oui, parce qu'ils sont pas de la bonne culture, etc. Donc ça pose un problème. Bon. Ah mais d'accord, non mais c'est Katagoum. Bah, c'est très bien, Katagoum. C'est pas un problème, ça. Au contraire. Ça me va parfaitement. Il reste 2 ans ici. Et j'ai toujours ma revendication sur Mugno, je rappelle. Elle a 800 troupes. Et elle a surtout des alliés. Lui et... Et qui d'autre? Et d'accord, ok. Ça, ça me plaît pas, par contre. J'ai un deuxième fils, histoire de foutre le bordel dans la succession. Parfait. On va refaire ça sur la capitale. Est-ce que j'ai... non, j'ai pas de nouveau personnage de disponible à la cour pour l'instant. Guerre déclarée. 1200 troupes. Et t'as qui comme allié?
Lui avec ses 500, ça fait... Ah. Et il me fait la guerre pour ce territoire-là. Mais je peux pas, je pourrais pas le donner quoi qu'il arrive. Ok. Ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Le problème, c'est que... Ouais. Parce que si je vais là... Là, il y a égalité. Plus de traits de commandant, mais meilleur commandant d'armée, plus d'armée. Ça va m'embêter, cette histoire. Ça va m'embêter cette histoire. Je vais essayer de prendre sa capitale, mais je sais pas dans quelle mesure ça va marcher. D'accord, je perds quand même la bataille. Mais pourquoi j'ai toujours des trucs de merde, moi? S'il vous plaît. Ça pille mes territoires. Salut à toi, Benoben.